Pour ceux qui se posaient la question, parce que vous êtes toujours très très curieux, c'est tout simplement un ami de lycée. On se connaît maintenant depuis... Ça va faire 8 ans, 8 en ans. Septembre. 8 ans en septembre qu'il me supporte. Oh, supporter, c'est un grand On était voisins en fait, on était en cours ensemble, on a été pendant 4 ans dans la même classe. Donc voilà, il me connaît bien et je le connais bien aussi. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour ouvrir la Woodbox. Donc c'est quelque chose que je fais tous les mois, que j'adore faire. Mais cette fois, je me suis dit qu'on allait le faire un petit peu en challenge vu qu'on était deux. Et j'ai proposé à Julien de lui bander les yeux. Je vais lui donner des indices et il va devoir deviner quels sont les objets. Voilà. J'espère que c'est une boîte facile. C'est ça. Et s'il devine, il aura un petit cadeau. Il en a de la chance. Ouais, grave. Bon, est-ce que j'ai de quoi te bander les yeux? Parce que c'est bien beau de dire ça, mais... T'en as-tu préparé l'écharpe avant? C'est ça, je vais aller chercher l'écharpe. Non, je triche pas. Non, tu triches pas. Ok. Magnifique écharpe, c'est parti. J'espère qu'elle sent bon en plus. J'allais dire, attends, parce que mes yeux, c'est pas du tout bandé. Oh, ça sert pas trop. C'est bon, tu vois plus rien? Non, plus rien, je ferme même moi-même les yeux parce que sinon, le foulard dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais? J'ai senti ça au-dessus de mes cheveux. Je fais des bêtises. Ah. Bon, ok, j'ouvre la box, je vous montre l'objet. T'as pas fait de lapin? Non, c'est pas mon genre. C'est pour les gamins. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on commence, donc moi je vais vous montrer et après je devrais lui faire deviner. Donc ça, c'est relativement facile à faire deviner. Je vais lui mettre dans les mains, comme ça déjà il va sentir. T'es sérieux, c'est censé être facile. Oui. Non mais je voudrais pas dire une bêtise, mais on dirait une fourchette quoi. Ok, alors attends, non, ça a touché. Maintenant, c'est droit, c'est long, je sais pas, c'est chelou. Ok, alors mon premier est quelque chose qui vient de l'étranger. Ok. Mon deuxième est quelque chose dont tu peux te servir à table. Ah, je suis pas loin de la fourchette. Mon troisième. Non, cherche pas, j'ai deviné. C'est alors, des baguettes. Oui, c'est des baguettes. Bravo, bah tu peux regarder. Des baguettes spéciales Street Fighter. Ah, elles sont pas mal, par contre, elles sont classe. Ouais. Elles sont super classe, je vous les montre un peu plus près. Bon, fourchette. Pour moi, ça c'était quand même le plus simple à deviner. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus dur. Alors, je vais lui faire deviner la seconde chose. Donnez-moi la simple chose. Alors, je vais lui faire deviner ceci. Ça m'a l'air gros, non? Attends, ça va venir, 30 secondes. Ok, tu je te le mets dans c'est. Les mains. Donc déjà, tu vas pouvoir deviner ce que c'est normalement au toucher. On dirait un vêtement, un t-shirt. Ouais, c'est un vêtement, d'accord, c'est un t-shirt. Donc maintenant, il va falloir que tu devines ce qu'il y a sur ce t-shirt. Oh, et là, tu vas avoir besoin de moi parce que forcément, tu peux pas le deviner. Mm-hmm. Alors, donc, mon premier est un manga. Oh, il y en a tellement. J'espère que c'est un truc facile. Hein. Ok, mon premier est un manga. Mon deuxième... Alors, comment je pourrais dire ça sans te faire deviner? Ok, donc peut-être que si je te décris le personnage... parce que si je te dis directement, ouais, j'ai une idée, mais je pense que tu vas deviner trop rapidement. Oh, la culture, au moins, en plus, c'est manga. Tu connais un peu manga ou pas du tout? Un peu, mais comme. Bah, ça dépend des cas. J'espère que c'est inconnu quand même, au moins. Oui, c'est inconnu. Alors, mon deuxième est un manga connu. Est-ce que tu connais Sangoku? Bah, Dragon Ball Z. D'accord, donc c'est. Ça c'est ok, ça vient de Dragon Ball Z. Tu devines le personnage? Oui. Oh, alors, je vais t'aider si tu connais un petit peu cet univers-là. C'est le rival de Sangoku. Son nom commence par un V. Ah oui, c'est pas Vegeta en tout cas. Oui, c'est Vegeta. Ah. Donc, je l'ai beaucoup aidé, mais parce que c'était pas facile. C'était non, pas franchement, évident. Tu m'aurais juste dit son le rival. Ouais, le rival, je pense que j'aurais pu deviner. Parce que j'allais dire, ça commence par un V. Est-ce que j'ai enlevé le truc? J'ai pas eu le temps de regarder, mais. Attends, je regarde la lumière. Parce que... Alors, je te donne l'objet. Déjà, je le montre aux abonnés. Voilà. Je te donne, tu vas déjà deviner ce que c'est. Oh, c'est tout petit. Ah, c'est chelou, il y a un crompe là. Oui. Il y a un petit machin ou un téton. N'importe quoi. Je sais pas. C'est quelque chose qui s'accroche. S'accroche. Pour accrocher quoi? Des clés? Non. C'est décoratif sur les vêtements. Ah, c'est un pins? Oui, c'est un pins. Mais alors, un pins de quoi? C'est un personnage qui est genre méchant. Manga? Nous, ou toucher. Ouais, j'ai pas des yeux sur le bout des doigts en fait, donc ça va être très compliqué. C'est le masque d'un méchant. Tu dois deviner quel méchant. Je suis franchement, moi j'aurais pas trouvé. C'est difficile. Ah ouais? C'est le masque de Ban. Ah ouais, non, bah alors là, j'aurais pas trouvé. Bah nous, on est. Voilà, je pense que c'est un ancien et nous on est vraiment dans les récents, donc c'est vrai que c'était pas évident. Allez, on passe à quelque chose que tu es obligé de deviner. Ah. C'est ça. J'ai pas le droit de me tromper. Et ce sera son cadeau s'il devine ce que c'est.
Alors, je te le mets dans les mains. Donc déjà, au niveau de la forme et... Ouais, c'est une petite figurine, quoi. Voilà, c'est une figurine. Alors, c'est quoi comme figurine? Une pop. Oui. Ouais. D'accord, très bien. Et ensuite, je suis censée deviner facilement, normalement. Oui, t'es censée deviner. C'est quelque facilement. Chose que j'aime bien. Normalement, c'est quelque chose que tu aimes bien. Pour moi, c'est quelque chose que tu aimes bien. Ouais. C'est quoi les indices? Alors, on va passer aux indices. C'est un méchant. C'est une série où il y a... Alors, comment je pourrais dire ça? Un bijou qui est important. Il y a plusieurs épisodes qui sont très longs. Jeu ou film? Film. Film. Avec un bijou qui est au centre du film. Ah bah, c'est un truc du Seigneur des Anneaux. Voilà. Ah ouais. Ah, attends, faut que je devine le personnage. C'est un méchant qui est en armure. Sauron? Oui. Ah, je suis trop fort. Regarde. Oh. Il est classe, hein. Ah, il est trop stylé, hein. Et c'est mon cadeau? Oui. Oh, je suis trop content. Bah, c'est ton... je sais que c'est ton truc, quoi. Non, mais... en plus, je te l'ai dit tout à l'heure, si j'en avais, c'était Seigneur des Anneaux. Bah voilà, il m'a dit en plus tout à l'heure, il adorait le Seigneur des Anneaux et tout. Moi, j'ai pas de collection de Seigneur des Anneaux, donc... Oh, j'ai l'impression de... je vois flou, en fait. Il y a encore un dernier. Ah, il y a un dernier. Le petit dernier. Alors... Bon, attends, je le pose comme ça, parce que... Ouais, j'ai l'odeur de des vovos. T'as dit que c'était bêtise. C'est trop trop classe. Ça, je suis en kiff total. Je vais te le mettre dans la main. Donc c'est déjà, au niveau de la pièce, forme, hein. Qu'est-ce que ça? Voilà, c'est une pièce. Ouais. Ça vient également d'un film. Ah, je vais essayer de chercher le sens pour... C'est super compliqué de toucher. Ouais. Oh, comment ils font les aveugles? Oh, c'est dur. Ça vient d'un film. C'est vrai que c'est dur de savoir. Oui, ça vient d'un film. C'est un film pareil qui est en plusieurs épisodes. Je sais pas, Pirates des Caraïbes, j'allais dire. Oui. Ah oh, ouais. C'est trop fort. Eh grave, j'ai ma pièce. En même temps, la pièce, un film. Ouais, film. Et bah oui, c'est une pièce de Pirates des Caraïbes. Et c'est juste magnifique. C'est marqué Pirates des Caraïbes. Non, c'est bon, tu peux regarder. Oui, tu peux regarder. Il y a une magnifique tête de monstre. Ah ouais, elle est trop stylée. Et elle était dans cette petite pochette, la petite pochette. Ah ouais, la petite pochette. Avec écrit Pirates des Caraïbes de Disney. Et je trouve ça vraiment magnifique. Elle est sculptée, elle est... Ça, c'est vrai que ça fait partie de mes films vraiment préférés. Oh, ouais. Avec la série Game of Thrones et Harry Potter. Voilà. C'est pour moi, c'est dans les tops et c'est vraiment super. Donc voilà, un petit peu pour cette Woodbox. Bah, je trouve que tu t'en es vraiment bien sorti. Ouais, je trouve aussi. Ça va. Sauf pour le truc ban ou je sais pas quoi là. Bah, franchement, moi là, faut vraiment connaître. Faut vraiment reconnaître bien. Et puis je pense qu'il faut être un petit peu dans les comics, etc. Mm. Et moi, j'aurais pas deviné non plus. Donc là, franchement, bravo. Pareil pour Vegeta, tu vois, je le connais de nom. Mais j'aurais pas. Ah ouais, moi aussi. Bah, j'aurais c'est pas fait les deux seuls. Enfin, les deux seuls. Qu'on connaît vraiment, qui sont connus. Mais... Ouais. Dragon Ball Z, c'est vrai que ça fait partie des gros gros. Ouais, même si t'es pas un fan, tu connais quand même. Non. C'est ça. Et bah écoute, c'était sympa comme petite bah, expérience. Ouais, grave. Voilà, tu reviens chez toi avec un petit bébé. J'ai un beau petit cadeau en plus. Je reviens pas les mains vides, ça c'est voilà. Il vient à la maison, mais il ne repart pas les mains vides. Non. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous, ça nous a fait, bah, c'était sympa. Ouais. Ça change un peu. C'est ça la change. Première fois que je fais ce concept-là et que je le fais avec quelqu'un et je trouve ça cool. C'est notre première fois tous les deux. Ouais. Et j'espère que ce sera pas la dernière. J'espère aussi que ce sera pas la dernière. Tu non, t'inquiète. À la maison. Donc, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu dans les commentaires. Surtout le pouce bleu. Non, pas dans les commentaires. Un pouce bleu. Un pouce bleu. Un pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. Bien sûr. Et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous on fait des gros gros bisous. À bientôt. Salut, à bientôt. Ciao, ciao. I could stay like this forever following you. Just